Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc de base, je voulais faire une vidéo avec Evangeline Cloverbird. D'ailleurs, on l'avait fait, mais comme une conne, désolé pour le langage, je n'ai pas enregistré la vidéo. Donc voilà, donc on va découvrir les allures de la catéchée ensemble. Donc on va voir tout de suite le pas. Donc assez posé hein, quand même, j'aime beaucoup. Mais bon, je trouve un peu classique quand même. Et du coup, faut pas s'étonner si je m'arrête parce que je fais pas l'habitude. Donc voilà. Bah franchement, il y a rien à dire. Zéro défaut à part quand il tourne. Regardez-moi ces sabots qui glissent. Mais on n'est pas censé glisser. Tu vois, un cheval, ça ne tourne pas en glissant. Donc c'est le seul petit défaut, donc le trot, donc il est très beau. Par contre la transition entre le trot et la queue, ça fait, elle est baissée, elle est levée, c'est assez bizarre je trouve. Et pareil il glisse, mais un cheval ça glisse pas, mais c'est n'importe quoi ça. Donc ça glisse pas un cheval trop. Donc on va passer au canter, même si le trot, bah j'aime bien, mais faut qu'il s'arrête. Et sinon la petite tête est très belle, hein. Faut quand même le dire. Mais bon. Ça glisse pas un cheval trop. Le canter. Très joli aussi. Toujours la transition entre le trot et le canter au niveau de la queue. Voilà. On voit qu'elle bouge beaucoup plus au canter qu'au trot. Sérieusement, faut qu'il s'arrête ça. Il glisse légèrement, mais pas trop. Donc, on reste un peu sur une note positive quand même. C'est assez bizarre, mais je l'aime bien. Donc on va passer au galop. Donc la tête est un peu plus... Elle bouge pas trop sa tête. Sa queue elle bouge légèrement moins qu'au canter. Mais par contre, elle vole. Donc voilà. Après j'ai l'impression que ses membres sont figés. Donc en galop. Ah là oui. Sa queue elle vole carrément, elle se fait catapulter par les membres et tout. C'est bizarre. Mais c'est très rapide. Hein. Alors par contre, je suis en direct parce que j'ai du mal à juger. Voilà. Donc sa tête, elle bouge pas encore super. Enfin, ça va peut-être mieux. Après, il n'y a pas de défaut. Hop. Ah non. J'ai mal fait la photo. Pas grave. Donc on va directement passer au cabret et là c'est le désastre. C'est le désastre. Ah, et mon amie Evangeline Cloverbird, comme on avait fait, elle a remarqué que ses membres y reculaient dans son cabret. Je n'avais jamais remarqué ça. Et sérieusement. Son dos, il est tordu, il est à mort. J'ai jamais vu un cheval se tordre le dos comme ça, quoi. C'est horrible. Donc, bon. Voilà. Je déteste ça. On va passer au reculé. Ah, c'est assez basique. Enfin, très basique. Ah, pareil, il glisse. Il glisse en reculant, mais ça glisse pas en cheval. Donc voilà. Après, on va faire l'arrêt brutal. Voilà, basique. Très basique. Voilà.
Donc, il n'y a pas de défaut, mais c'est super basique. Peut-être sa queue qui bouge, mais j'ai trop. Là. C'est assez bizarre. Elle se balance de gauche à droite. Et ressemble étrangement à celui du cheval basique, enfin, du cheval de départ. Voilà. Très, elle ressemble quand même pas mal, je trouve. Voilà. Donc, elle ressemble pas mal à celui du cheval de départ. Donc, le saut, bah, il ressemble assez bien au perso anglais. On dirait qu'il allonge son encolure pour aller chercher loin, je trouve. Après, bah, c'est un saut assez basique, quand même. Voilà. Après, sur ce coup-là, bah, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de gros défauts. Oh, j'adore cette pose. Oh, je vais l'enregistrer. Je vais peut-être la mettre en masse. Parce que j'aime bien les masses. Non, je ne sais pas le biscuit Mars. Donc voilà, j'aime trop cette photo. Donc, voilà. C'est assez basique, hein. Après, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais pour ceux qui veulent voir mon cheval, qu'on pose un cheval magique, oh, du nain. D'ailleurs, j'en ai pas vu aujourd'hui du nain. Oh, voilà. Le cheval qu'on pose en mode magique. Trop beau. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker ma chaîne, j'en serais très heureuse. Alors actuellement, je n'ai pas de club, donc si vous pouviez me proposer un club assez sympa, ce serait pas mal, surtout que j'ai des demandes tout le temps, faut quand même le dire. Donc j'espère que vous pourrez m'en trouver un. Ou alors qu'il y a quelqu'un qui m'accepte de mes abonnés. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, à plus, mes chers abonnés ou spectateurs.